Polochon et Baluchon effectuèrent de plus longues recherches, mais ils ne trouvèrent pas de fromage. Baluchon constata que le travail est dur, pour rien. C'est alors que Baluchon ne put se contenir. Regarde-nous ! Pourquoi tu ris ? On nous a piqué notre fromage et tu trouves ça drôle ? Voyons, Polochon, on n'arrête pas de faire la même chose encore et encore. Et ensuite, on se demande pourquoi les choses ne s'améliorent pas. Moi, je trouve ça drôle. Qui a piqué mon fromage ? Qui a piqué mon fromage ? Polochon, il est temps que nous trouvions mieux. Tu vas pas retourner dans le labyrinthe, hein ? Pourquoi ne pas attendre qu'on le remette à sa place ? Personne ne remettra jamais le fromage à sa place. C'était le fromage d'hier. Il est temps que nous trouvions un nouveau. Bon. Où c'est que j'ai rangé nos chaussures de sport ? Et que se passera-t-il si on trouve pas le fromage ? Que se passera-t-il si on trouve rien ? Je ne sais pas, Polochon. Mais imagine que nous trouvions un nouveau fromage. Non, non, je ne veux pas aller dans le labyrinthe. Moi non plus, mais si on fait rien, on pourrait disparaître. Disparaître ? Qui a piqué mon fromage ? Qui a piqué mon fromage ? Baluchon écrivit alors sur le mur ce à quoi il avait pensé. Que ferais-tu si tu n'avais pas peur ?